Suddenly pieces are back together now. What's your vision? De suivre ma chaîne sur Vision High Tech. Donc aujourd'hui, Apple a sorti sa série 3 GPS cellulaire. Je viens tout juste de la recevoir. On va faire le déballage ensemble. Merci de regarder donc la vidéo. J'ai pris donc la 42 mm en aluminium, bracelet sport bleu, et tout de suite donc place au déballage. Voilà, donc on peut s'apercevoir que le package de l'Apple Watch n'a pas du tout changé, très épuré, avec sur le dessus donc marqué Apple Watch série 3. Sur l'un des côtés, on a l'intégralité des références de la montre. On va tout de suite enlever le blister. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe tout de suite sur les différents feuillets, et à l'intérieur se trouve, on arrive donc tout de suite sur la montre, l'Apple Watch donc série 3 cellulaire, qui est vraiment très jolie. Alors déjà en termes de poids par rapport à la série 1, je la trouve quand même un peu plus lourde. Mais donc, ici on peut voir donc que l'Apple Watch est livré. Elle a donc le bracelet le plus grand, mais est livré dans la boîte une partie qui est plus petite au niveau des trous et qui permet pour les gens qui ont un plus petit poignet de s'adapter. On continue sur le contenu de la boîte. On va trouver au fond de la boîte l'adaptateur secteur classique de chez Apple. Et on va trouver le câble pour recharger notre Apple Watch, qui est bien sûr plus court que les premiers câbles qui étaient livrés avec notre Apple Watch. On va passer donc à la configuration de l'Apple Watch. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous plaît. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à suivre tous ces tutos et démos, présentations de matériel, place au jumelage de la montre. Voilà, donc sur l'Apple Watch cellulaire, on peut apercevoir, ici je vous mets en gros sur l'écran, un point rouge sur la couronne qui précise que cette montre est bien cellulaire. Ensuite, en termes de boutons, on a toujours le petit bouton en bas de la couronne qui est un peu lisse, qui permet l'allumage de l'Apple Watch. Et de l'autre côté, on a donc les haut-parleurs. Alors Apple appelle ça donc une eSIM. On va tout de suite passer donc à l'allumage de la montre. C'est parti. Si vous avez donc une série 1, vous allez vraiment voir une différence entre l'allumage de votre série 1 et de votre série 3. Donc au premier démarrage, voici ce que l'on peut voir.
notre iPhone ici. Alors pour appairer donc la série 3, il faut absolument avoir un iPhone au-dessus du 5 et du 5C. Malheureusement, les personnes ayant un iPhone 5 et 5C ne pourront pas jumeler leur Apple Watch avec cet iPhone. Lors du premier jumelage d'une Apple Watch, on a donc le dessin et on doit passer donc notre iPhone devant notre montre pour le jumelage. Apple Watch jumelé en tête. Une fois ceci fait, on va pouvoir donc jumeler l'Apple Watch. Apple Watch avec un boîtier de 42 mm en aluminium de la série 7000, variant XC12 en composite. Restaurer une sauvegarde. Configurer comme nouvelle Apple Watch. On va la configurer comme nouvelle Apple Watch. Configurer comme nouvelle Apple Watch. Configurer comme nouvelle Apple Watch. Choix du poignet. En tête. Photo de l'Apple Watch avec un boîtier de 42. À quel poignet portez-vous la gauche. Bouton. En cours. Bouton. Accepté. Bouton. Accepté. Avertissement. Condition. Annulée. Accepté. Bouton. Bouton de retour. Photo d'une Apple Watch affichant de nombreuses. L'Apple Watch utilise les mêmes réglages. Ok. Bouton. Ok. Bouton de retour. Créer un code. Ajouter un code long. Alors, on peut ajouter un code à notre Apple Watch ou pas. Ici, je ne vais pas le faire. De quoi s'agit-il? Si vous configurez ne pas ajouter de code. Bouton, ne pas appel d'urgence. Appelez les secours en appuyant longtemps sur le bouton latéral de l'Apple Watch si celle-ci est connectée à l'iPhone. Choisissez les contacts qui seront notifiés lorsque vous utilisez. En savoir plus, continuez. On va donc continuer. Même si votre Apple Watch n'est pas connecté à votre iPhone, vous pouvez continuer à passer et à recevoir des appels et à accéder aux apps en utilisant les données cellulaires. Pour activer le forfait cellulaire. Bouton. Au niveau du forfait cellulaire, voilà ce qu'on nous dit. Activation du forfait cellulaire. Bouton de retour. Activation du forfait cellulaire. Même si votre Apple Watch n'est pas connecté à votre iPhone, vous pouvez continuer à passer et à recevoir des appels et à accéder aux apps en utilisant les données cellulaires. Pour activer le service cellulaire, ajoutez votre Apple Watch au forfait cellulaire actuel de votre iPhone. Activez le forfait cellulaire. Ignorez cette étape. Bouton. Alors pour l'instant, on va ignorer cette étape. Ignorez. Bouton de retour. Photo d'une Apple Watch affichant de nombreuses icônes colorées. Installez les apps disponibles. Tout installé. Bouton. On va tout installer les apps disponibles. Bouton. Votre Apple Watch est presque prête. Vous serez averti lorsque la synchronisation est terminée. Vous pouvez utiliser votre iPhone normalement. Donc la synchronisation au niveau de l'Apple Watch est en train de s'effectuer. Progression de la synchronisation. 21%. 46%. 74%. 85%. Cadran. Parcours. App Store. OK. Bouton. OK. Ma montre. En tête. Activité numérique. Seconde. Plan. Deux complications. Exercice. Calendrier. Cadran. 2/12. Voilà, donc notre Apple Watch est paramétré. 17h45 et 47 secondes. Vraiment, la rapidité, on la sent par rapport à une série 1, ce que je possédais. Donc, ici, on peut voir au niveau de la fluidité avec VoiceOver. Météo, calendrier, rap, des rythmes, plein, mail, téléphone, Twitter, réveil, fuse, horloge, chronomètre. C'est vraiment très fluide. 17h40, cadran. Connect, page 2/2. Données, me, 92, faire sonner. 92. On a vraiment une très bonne fluidité. 34 secondes. Activité nom. Personnalisable. Kaléidoscope. Personnalisable. Sub. Activité nom. Exploration. Exploration. On sent vraiment qu'on a sauté une génération. Et vraiment, c'est très très fluide au niveau de la navigation via VoiceOver. Face. Style. Doc. Chronomètre. 17h47 et 2 secondes. Aucune notification. 17h47 et 8 secondes. Exploration. Activité nom. Kaléidoscope. Voilà, donc bien sûr, je vous ferai une vidéo en réel dans une piscine pour vous montrer les fonctionnalités via la série 3 en piscine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura montré la nouvelle série 3 Apple Watch cellulaire GPS. Je vous ferai aussi une vidéo sur la navigation GPS. Donc, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de liker la vidéo et la partager si celle-ci vous a plu. Et bien moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous et encore un grand merci.